OK, autre facteur qui importe dans les paramètres système, la polarimétrie. Alors, de quoi s'agit-il globalement? À la base, nous avons vu dans le premier transparent qui était illustré une antenne. Une antenne donc qui possède une forme rectangulaire. Et en fait, quand le radar est dans l'espace, en gros, l'antenne se retrouve dans une forme où l'un des axes est parallèle à la surface terrestre, donc horizontal, on va dire, et l'autre axe perpendiculaire. Ce sont deux directions privilégiées. Deux directions privilégiées, ces longueurs d'antenne, on va appeler ces axes d'antenne, OX, OY, qui vont donner lieu à deux polarisations particulières. Donc, si l'on renvoie cette antenne dans l'espace, on voit qu'au niveau du sol, voilà le faisceau incident, les deux polarisations rectilignes, j'ai oublié le mot rectiligne, c'est un grand manque parce que, effectivement, une polarisation rectiligne pour une onde, c'est lorsqu'elle conserve une direction fixe lors de sa propagation. Là, j'ai donc une polarisation qui serait verticale, par exemple, et ici une polarisation qui serait horizontale. Rectiligne, l'extrémité du vecteur champ suit les directions sur un axe donné. Ces deux polarisations rectilignes vont s'avérer être l'une perpendiculaire au plan d'incidence, ceci étant le plan d'incidence, le plan de figure et le plan d'incidence. Ceci est la normale au sol, la direction du champ. Je vais avoir un champ qui vibre parallèlement à l'axe OY que l'on va appeler ici H, et un champ qui va vibrer parallèlement à OX que l'on va appeler V. Okay? Ces deux directions spécifiques sont maîtrisées par l'antenne. Elles sont maîtrisées à la fois en émission, donc on va avoir possible H et V en émission, et en réception, on va avoir possible H et V. Ça veut dire que pour une image donnée, l'image étant évidemment le doublet entre l'onde émise et l'onde reçue, on va avoir des possibilités du genre HH, HV, VH et VV. Alors, il s'avère que pour les systèmes monostatiques, eh bien, HV égale VH. Lorsque l'antenne de réception est égale à l'antenne d'émission, eh bien, on a cette égalité. Alors, ce serait moins simple si on était dans un système bistatique. Tout à l'heure, les explications qu'on a faites au début étaient bistatiques, simplement par commodité d'écriture, mais ce n'était pas la réalité de notre système. Ensuite, si l'on comprend bien l'orientation H du champ perpendiculaire au plan d'incidence, l'orientation V est un peu moins simple. En fait, c'est parce que les radars au début visaient horizontalement. Donc si vous redressez la direction de visée pour l'amener à l'horizontale, par exemple un radar sur un bateau, bien vous vous retrouvez bien avec la direction V qui est verticale. Voilà, c'est du vocabulaire, c'est assez simple. Donc, quand on considère un système qui est pleinement polarimétrique, donc un système pleinement polarimétrique, comme le radar SAT ou ALOS, bien nous avons les trois mesures qui vont être données. HV, mesure complète, c'est-à-dire avec une intensité et une phase. Alors, ces histoires de phase sont assez importantes parce que ça permet de faire certains travaux en polarimétrie qu'on ne pourrait pas faire s'il n'y avait pas la phase. Alors vous avez des systèmes qui sont partiellement polarimétriques, partiellement, comme c'est le cas actuellement du satellite Sentinel 1 de l'ESA qui envoie énormément de données en bande C. Là, vous avez deux polarisations, VV et VH. Amplitude, intensité et phase. Nous reviendrons dans quelques minutes, quelques secondes, là, sur l'intérêt d'avoir simultanément VV et VH, par exemple pour Sentinel 1, ou plusieurs bandes, plusieurs polarisations pour les autres satellites. Dans l'immédiat, observons
une illustration hein, qui montre l'intérêt de disposer de polarisation en H et en V. Autrement dit, deux directions orthogonales. Alors, quel est l'intérêt des deux directions orthogonales? C'est que avec cela, vous pouvez simuler, en effectuant les mesures en H et en V, ce que serait une réponse pour une polarisation elliptique, puisque combiner H et V avec des phases convenablement choisies permet d'avoir n'importe quelle polarisation. C'est une des puissances de la polarimétrie, c'est de permettre, à partir des données dont on dispose, par exemple HH, VV, de combiner amplitude et phase de manière à avoir une polarisation tout à fait autre. Donc notre système polarimétrique, hein, en termes de polar, on peut simuler toute polar elliptique, toute polarisation elliptique, et avoir la réponse du système correspondante, réponse du paysage. Pardon. Alors ceci est très important, c'est extrêmement puissant en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme en mathématiques, quand on combine deux axes x et y, ben, on fait un tas de choses avec. Hein. On peut simuler un cercle, évidemment, assez simplement, hein, en combinant i abscisse et ordonnée, mais avec des décalages au cours du temps. Alors là, c'est pareil, hein, et ce qui montre l'intérêt du système. Alors ce transparent est dû au CNES, je crois, hein, où vous avez, ou au centre canadien de télédétection, où vous avez donc, vous voyez donc, l'ellipse se former à partir d'une combinaison de données en H et en V. Alors, en ce qui nous concerne, hein, ceci demande un peu de calcul. Hein. Nous, à la base, l'utilisateur peut donc effectuer ces simulations. Les logiciels permettent de faire ça. Hein. Donc, simulation permise. Mais d'une manière plus basique, disons, que l'utilisateur va s'intéresser à des réponses associées à des formes particulières. Voilà. Hein. Par exemple, si vous avez un ensemble de tiges verticales, vous bloquerez la polarisation V qui ne pourra pas traverser cet ensemble de tiges verticales. De la même manière, si vous avez des tiges horizontales, vous bloquerez une polarisation H, hein, qui ne pourra pas le traverser. Et donc, vous avez dans l'ensemble des paysages naturels un certain nombre de réponses spécifiques correspondant à ce type de milieu. On verra tout à l'heure en illustration le cas du riz, par exemple, qui a des réponses extrêmement variées, hein, selon que l'on se trouve en H, en V, suivant l'étape de croissance et des choses comme ça. Autre grande caractéristique, lorsqu'on s'intéresse à la polarisation croisée HV, eh bien, pour avoir du HV, il faut être arrivé sur le milieu avec l'une des deux et repartir avec la seconde. Ceci n'est pas évident. Par exemple, lorsqu'on a affaire à un sol, eh bien, en général, HV est très faible, hein, une surface. Donc, que ce soit un sol ou une surface océanique, HV va être très faible, il n'y a pas de changement de polarisation à la réflexion. Par contre, si l'on prend un arbre avec des feuilles, hein, d'orientation variable, hein, à chaque fois qu'une onde arrive sur une feuille, elle repart. Mais elle ne repart pas en rétrodiffusion, elle va rebondir un peu n'importe comment, rattraper une autre feuille, et ainsi de suite. Il va donc y avoir de la pénétration. Et cette pénétration va s'accompagner du phénomène suivant. À chaque réflexion, vous allez avoir la polarisation initiale qui va être bousculée, qui va changer un petit peu. Vous avez une polarisation qui arrive sur cette feuille ici et elle repart avec une autre direction. Ça vient du fait que les relations de continuité au niveau de la feuille entraînent ces changements de direction. Donc, la pénétration va entraîner une montée en valeur des termes croisés, HV. Ceci est un résultat intéressant,
que l'utilisateur va concocter effectivement parce qu'il va travailler sur les forêts, sur de la végétation, et le paramètre HV sera un paramètre bien intéressant. Les formes particulières que l'on a vues avant sont des choses très spécifiques, mais qui existent. Par exemple, si vous regardez la porte de votre four micro-ondes, vous verrez qu'il y a une grille là. Et cette grille est destinée à bloquer toutes les polarisations qui sont à l'intérieur du four. On ne veut pas que les ondes électromagnétiques dans le domaine centimétrique, c'est la même chose, c'est des ondes centimétriques, sortent du four. Alors on voit, puisqu'il y a une grille régulière, horizontale, verticale, qu'en fait le phénomène est linéaire. C'est-à-dire que si on a une polarisation quelconque à l'intérieur, elle est bloquée parce que ces deux composantes sont bloquées. Alors, d'une manière plus sophistiquée, quand on a les trois paramètres, voilà, mathématiquement, on peut travailler et effectuer des décompositions spécifiques des réponses. Alors, ceci est un univers mathématique assez compliqué, qui passe par une écriture matricielle, des vecteurs propres, des vecteurs propres et des valeurs propres, qui permettent de décomposer la réponse en un certain nombre de comportements élémentaires des cibles. De notre côté, dans les illustrations, nous verrons ce qu'on appelle la décomposition de Pauli. De quoi s'agit-il? Eh bien, Pauli va distinguer trois formes de réflexion particulières, celle des sols, celle de la végétation, et celle, alors végétation forêt, on va dire normale, végétation plus générale que forêt, mais et puis celle de structures, type des bâtiments ou des forêts inondées, où il va y avoir un phénomène de double réflexion. Voilà. De quoi s'agit-il? Pour les sols, en fait, les valeurs de HH et VV sont voisines, ne présentent pas de particularité en termes de phase. On met dans un canal particulier la quantité HH plus VV. Pour la végétation, on l'a dit tout à l'heure, ça semble être le paramètre HV qui intervient le plus facilement. On va mettre dans ce canal donc une composition telle que HV. Pour des raisons de normalisation, on ajoute un racine de 2 devant pour ne pas mettre en avant plus un canal que l'autre. Et pour la double réflexion, alors ça c'est un peu plus original encore, lorsque vous avez par exemple un arbre inondé, eh bien, vous allez avoir une réflexion qui va se faire exactement dans la direction de l'onde incidente. Vous avez l'égalité ici. Vous avez une différence de phase entre HH et VV qui va intervenir. Ça, c'est l'électromagnétisme, c'est-à-dire qu'on aura un phi HH moins phi VV qui vaudra pi. Ce qui fait que pour mettre en avant ce phénomène, on va utiliser la quantité HH moins VV. Alors pourquoi ce moins? Parce que s'il y a une différence de phase pi entre HH et VV, dans la représentation que l'on a ici, où il y a une amplitude et une phase, en mettant le signe moins, on récupère une amplitude maximale. Voilà, donc ceci se voit dans les écritures complexes quand on veut les écrire. Eh bien, en plus, tous les signaux qui arrivent dans cette configuration, je peux en dessiner plusieurs là, je vais essayer de faire propre, hop, 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 semblent tous provenir de ce coin. Si l'on regarde plus en détail, on s'aperçoit que tous les signaux qui viennent taper à cette interface au tronc semblent provenir de l'angle ici et sont en phase, ils sont tous en phase. Étant tous en phase, ça veut dire que lorsqu'on a de multiples réflecteurs comme ça, quand tout le monde est en phase, ça veut dire que l'amplitude gagne un facteur petit n, mais ça veut dire que l'intensité gagne un facteur n2. Donc on doit s'attendre, lorsqu'on a des phénomènes de double réflexion comme ça, à avoir une très forte réponse dans ce canal spécifique HH-VV. Dans la forêt, on aura une réponse qui viendra du HV. Pour les sols, HH et VV étant en phase pour les sols, il n'y a pas de particularité, et pas de choses extrêmement spéciales comme le cas de la double réflexion là-bas. Et il est habituel, c'est ce qu'on va voir après, de représenter
ce canal en vert, ce canal en rouge, voilà, et celui-ci en bleu. Alors, comme je n'ai pas de bleu, je vais mettre en noir. Voilà, et nous allons voir une illustration de ce type. C'est un exemple d'intérêt des décompositions polarimétriques. Ce que j'ai présenté ici est simple, mais on peut faire beaucoup plus compliqué. Les histoires de pénétration avec le terme HV, et cela, donc ça permet de gouverner un peu les données polarimétriques et de voir des résultats. Vous avez par exemple sur cette illustration qui concerne des rizières près du littoral guyanais, deux polarisations VV et HV à la même date. On voit une différence assez nette à l'extrémité de la rizière ici, où VV est relativement important, alors que VH est faible. Si l'on retient ce qu'on a dit tout à l'heure, ça veut dire qu'entre les deux, il y a très probablement une différence. L'un est un sol nu rugueux, VV est important. Ici, j'ai un sol nu, mais VH est faible, puisqu'on a vu que sur les surfaces, il était faible. Le reste, c'est très probablement de la rizière inondée. Donc à gauche de ces deux illustrations de la même date, on fait une différence grâce à VH et VV. Ici, vous avez une polarisation HH qui manifestement donne des réponses importantes. Ça laisse entendre que le riz était émergé et donc on a des tiges de riz et qu'on a le phénomène de double réflexion. Si l'on regarde l'illustration suivante, qui traduit la variabilité de la réponse, alors je mettrai ici de Michard et Hall en 2011, on voit que l'étude de la réponse des images en termes de biomasse a été effectuée à partir de la polarisation HV. D'accord ? C'est un résultat important que l'on doit retenir. C'est-à-dire que c'est HV qui va gouverner au mieux les réponses biomasse, ni VV ni HH. Et c'est ce qu'on va retrouver dans le futur. Quand il va y avoir des études du satellite biomasse, eh bien on retrouvera HV d'une manière systématique pour la correspondance biomasse, parce que c'est cette polarisation-là qui est la plus sensible à la végétation. Illustration suivante, nous avons là le barrage de Petit Saut en Guyane, vu en bande L, polarisation HV, et on voit, alors, sur la partie gauche, la bande L, HH, avec une réponse extrêmement forte, donc, que nous avons évoquée tout à l'heure. Et sur la partie droite, nous avons le même barrage en bande C, polarisation VV, où il n'apparaît absolument pas, et polarisation HH, où le barrage apparaît beaucoup plus faiblement. Donc ce qu'on peut retenir ici, c'est que la bande L, polarisation HH, est la bande adaptée à une recherche de forêts inondées. Voilà. Dans ce transparent, nous avons une explication sur les phénomènes qui est relativement complète en ce qui concerne la double réflexion avec les effets de phase, en ce qui concerne les surfaces avec les effets de phase et la réflexion de volume pour de la forêt avec également les effets de phase. Donc, ceci reprend d'une manière plus nette, plus propre que ce que j'ai dit tout à l'heure au tableau. Pour conclure ces illustrations, on peut venir ici sur une comparaison entre la composition dite de poly qui a été exposée pour une image en bande L sur une zone tropicale à gauche avec les mécanismes qui sont rappelés en cartouche ici, sol, forêt, double réflexion, et la comparaison avec une image optique qui est à droite. Alors, la comparaison ne met pas à son avantage l'image optique parce que l'image optique à la base était une image extrêmement bien résolue au niveau spatial. Or là, nous l'avons réduit la résolution de manière à coller à peu près à la résolution de l'image radar qui est de l'ordre de 20 mètres. Mais on voit quand même que ces décompositions polarimétriques donnent des réponses diversifiées que l'on ne retrouve pas dans une image optique qui se contente d'amener des informations de réflectance dans des canaux ici, dans des canaux visibles. Alors, je ne dis pas que ce serait toujours comme ça si on intégrait
des canaux proche infrarouge, moyen infrarouge, on aurait de meilleurs résultats. Mais en ce qui concerne le visible, c'est-à-dire ce qui est immédiat quand on fait les compositions colorées, la verdure reste la verdure et la plupart du temps, quand on voit les choses de loin, forêt, gazon, terrain de football ont une signature à peu près identique. Alors que dans l'image radar, on voit se différencier en vert la forêt, c'est la signature HV, en bleu les sols nus ou les savanes, hein, très peu végétalisées, et en rosé des effets de double réflexion, que l'on va retrouver ici dans un marais qui a priori possède des roseaux, je dis a priori, je ne sais pas exactement, sur la ville, le même phénomène de double réflexion peut intervenir sur le bâti, sol bâti, et ici dans la mangrove. Hein. Dans la mangrove, c'est plus évident, puisque mangrove, à cette heure-là, très probablement, hein, à ce niveau de la marée, la mangrove devait avoir les pieds dans l'eau dans cette zone, et donc on a un phénomène de double réflexion. Donc, cette richesse de la polarimétrie, hein, que nous avons partiellement exposée, hein, montre tout l'intérêt que l'on a à utiliser ces données pour caractériser les milieux en raisonnant à la fois sur les types de réflexion, hein, ça aide, hein, à comprendre et à voir, à qualifier les milieux pour en faire la cartographie.